Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons changer la batterie d'une Golf 7 2 litres TDI 150. Elle est de 2015. Elle a aujourd'hui 110 000 km à peu près. Donc on va procéder au changement de la batterie. Donc pour cela, évidemment, ouvrir le capot moteur. Donc par cette petite manette là. Voilà, vous la tirez vers vous. Ici, vous avez la petite gâchette pour ouvrir le capot moteur. Voilà, ici. Donc voilà le compartiment moteur de la Golf. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est retirer déjà premièrement. Donc, j'appelle ça la chaussette hiver. C'est ce qui maintient en fait la batterie de l'hiver, du froid. Retirer la vis ou le boulon par une douille de 13 avec une rallonge de cliquet, voilà. Ensuite, donc là on a la cosse plus et la cosse moins, donc la masse. Donc on va donc retirer ces deux câbles. Donc là, c'est bien la batterie donc d'origine Varta, fournie par Volkswagen. Voilà. Donc là, vous avez la puissance. Donc c'est un 12 volts, 68 ampères-heure, 380 ampères. Et puis là, vous avez donc la gamme de la batterie. Donc vous avez AGM et EFB de mémoire. Donc moi j'ai repris quasiment la même puissance. Elle est un poil plus puissante, celle que j'ai achetée, mais j'ai respecté la version AGM de la batterie. Donc ce que j'ai choisi, ce que j'ai acheté, et bien c'est une batterie Bosch. Voilà. Donc là on retrouve sur la voiture c'est marqué 68. Donc moi j'ai pris légèrement au-dessus. C'est ce qui est conseillé par Bosch. Donc j'ai pris le 70 ampères-heure. Et j'ai pris le 760 ampères-heure. Donc ça c'est le modèle de la batterie. Donc voilà. Et puis j'ai respecté le AGM qu'on voit ici. Voilà. Donc ça fait tout ce qui est stop and start et tout ce qui s'ensuit. En premier, il va falloir retirer donc la chaussette hiver. Voilà, hop, voilà, petite mise au point. Donc j'ai déjà retiré le câble masse. Alors ce qu'il faut comme outil, j'en ai pas parlé. Alors il faut donc une douille de 13 avec la rallonge pour justement retirer ce boulon de 13 avec son support. C'est ce qui maintient justement la fixation de la batterie. Et puis pour desserrer donc l'écosse, eh bien moi je vais prendre le cliquet avec la rallonge et la douille de 10. Donc on va le voir. Hop. Avec le flash, on voit pas très bien, mais c'est une douille de 10. Donc on va déjà défaire la cosse plus. Ou en premier, on va faire la masse. En premier. Faire ça, je pense. Donc, je défais la petite prise, on la rebranchera tout à l'heure. Voilà.
Donc le plus, je l'ai déjà desserré, on retire. Voilà, qu'on se là. Retire la protection, voilà. Ok, donc maintenant je vais défaire mon boulon de 13. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la double, je vais prendre le cliquet avec double rallonge pour pouvoir choper le boulon en profondeur. Voilà. Donc là, on desserre complètement. Donc là, j'ai retiré le boulon. On prend la cale. Voilà, donc là vous avez la cale, c'est ce qui permet de maintenir la batterie sur le châssis. Et puis maintenant, on peut retirer la batterie. Donc on va soulever. Attends, hop, on va faire glisser. Et on va lever. Si ça vient. C'est comme voilà. Peut-être passer un petit coup. Je vais passer un petit coup de. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup d'air comprimé. Alors oui, c'est un petit c'est un spray. Gaz net, voilà, c'est de l'air comprimé. Alors maintenant, on va installer la nouvelle batterie. Ça va être un petit peu compliqué. Donc en fait, pour la retirer la batterie, il faut la glisser vers la gauche et la lever. Et inversement pour la remettre. Donc vous mettez sur la gauche et ensuite vous la faites coulisser vers la droite, donc vers le fond de la voiture, quoi, vers le 1. Et vers le pare-brise. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va remettre le support de la batterie avec son boulon. Là, je prends ma rallonge avec le boulon. Hop. Lève. On va bien resserrer.
j'y étais pas, et là c'est bon. Donc là on visse à fond. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée. C'est... Voilà, je vais vous montrer. J'ai ce petit tube. Hop, comme ça. C'est la pâte lubrifiante conductrice d'électricité. Donc en fait, c'est de la graisse, ni plus ni moins, cuivrée, avec des petits compartiments de cuivre. Des petites particules plutôt. Voilà. Et j'en mets un petit peu dans l'écosse. Il faut pas trop en mettre. Donc c'est conducteur. Et ça permet aux bornes de ne pas s'oxyder avec le temps. Pour pas qu'il y ait de verre de gris en fait. Parce qu'avec le temps, les années, les bornes, elles ont tendance à... Comment dirais-je ? À s'oxyder. Voilà. Tirer un petit peu, je pense. Faut pas non plus trop en mettre. Voilà. On met la masse. Donc là, on reprend le cliquet, la rallonge, la douille de 10 et on resserre. On serre bien. Voilà. On n'oublie surtout pas de brancher la petite prise. Hop. Et on verrouille avec la petite pinoche grise. Voilà. Comme ça, la prise, elle se retire pas. Et là, on resserre la borne positive. Il y a une chose que j'ai oubliée. La chaussette. La chaussette hiver. Alors, on va redéfaire. On va redéfaire. Un petit peu galérer à remettre la chaussette parce que tout à l'heure j'avais du mal à la mettre. On recommence la procédure. Hop. Donc, le moins, le plus. Alors, ça fait une petite étincelle, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la mise sous tension.
pas hésiter à bien serrer. Voilà. Donc, rebrancher la petite prise. Ne pas oublier. Tac. Et on verrouille. Voilà. Donc là, c'est fait. On va remettre donc le petit capot pour protéger la masse, qui était de série avec l'ancienne batterie. Voilà. Donc là, on a fait l'opération du changement de la batterie. Donc là, voilà, l'opération est terminée.